Hey, salut tout le monde, c'est Gino, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto Minecraft. Voilà une map très belle avec plein de projets, tout ça. Et aujourd'hui, c'est un système. Attendez, j'ai oublié de prendre le plus important, ce qui va faire marcher le système. Mince, ouais, bon, pire. Voilà, c'est un système avec le bloc de terre, avec une houe. Regardez, attention, Shazam! Wouhou! On peut creuser un trou. Voilà, le système en redstone. Il est beau, hein? Waouh! C'est beau, hein? Alors, voilà, c'est un petit tuto Minecraft. Je verrai comment faire pour que ça soit intéressant. Alors, 30 secondes, je prends 2-3 trucs que j'ai besoin. Et après, je vais vous expliquer comment ça marche. Parce que le processus, c'est pas très compliqué à piger. Alors, le principe du système. Tac. Tac. Principe du système, c'est ça. Voilà, alors, attention, explication. Pour ceux qui comprennent rien à la redstone, quittez tout de suite. La torche de redstone, elle est belle, envoie de l'énergie dans dans le bloc de terre. Parce que le bloc est complet, pas transparent, parfait. Du coup, il envoie de l'énergie au bloc adjacent. Donc ici, ça c'est un bloc adjacent. Ici, c'est un bloc adjacent, ici. Enfin voilà. Hop. Du coup, il envoie. Sauf que quand on bêche, vous voyez, il rétrécit un petit peu. Hop. Tac. Vous voyez, il rétrécit un tout petit peu. Il est plus considéré comme un bloc. Un bloc. Un bloc entier. Du coup, la redstone, la torche essaie d'envoyer de l'énergie ici. Sauf qu'il n'y arrive pas. L'énergie n'est pas stockée dedans. Et du coup, il ne peut pas transférer l'énergie. Du coup, c'est tout con ce qu'on fait. On utilise surtout ça. Après, il n'y a plus qu'à activer tout ce qu'on veut, l'actualiser, hop, ça se rallume. Donc, tac. Voilà, bah c'est pas très très compliqué. Maintenant, je vais vous expliquer plus le système. Alors, ça va être pas très compliqué. Donc là, il y a toujours le truc, ici. Il y a toujours ça. Sauf que c'est allumé. Et puis, pour que ce soit plus simple, je préfère que ce soit éteint. Du coup, hop, il y a un inverseur ici. Du coup, rien qui est alimenté, c'est parfait. Attendez, je vais y remettre dans son... Oula, 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 j'ai un lag. Oula, mon ordi veut plus, là. Il voulait bien... Je vais ça. Ah, il veut plus, mon PC, là. Bon, je vais essayer de finir ce truc. De toute façon, hein, il n'y a pas besoin d'énormément de FPS pour comprendre. Alors voilà, ça envoie ici, le inversé. Du coup, il n'y a rien qui est activé. Sauf que quand je bêche, enfin que... J'utilise ma houe. Ici, il n'y a plus de courant. Du coup, ici, ça envoie. Oula. Vraiment. Ouais. Du coup, cette torche reçoit du courant. Et comme c'est au-dessus. Oula. Ouah. Ouah. Mon PC veut plus. Ça envoie de l'énergie ici qui envoie ça dans un pulse limiteur. Le principe d'un pulse limiteur, c'est que peu importe. Merci. Peu importe la vitesse à laquelle ça. Oula, mais. Voilà. Peu importe à quelle vitesse ça entre ici, ça va ressortir à la vitesse que je veux. Alors, faut savoir un truc, c'est que pour que ça fasse un mouvement normal, le piston qui pousse, hop, je change le sens ici, pour que ça pousse et que ça retire, faut deux tics et un seul, ça fait juste un swap. Je vous expliquerai plus tard. Oula. Je vais baisser un peu le sensi de ma souris. Après, hop, il n'y a plus qu'à envoyer ça dans deux pistons. Et, what? Mais pourquoi je tourne autant? Et hop, ça étend. Donc, on va passer tout de suite à la construction. Donc, ma souris, elle veut pas. Attendez 30 secondes. En fait, l'accélération est gérée bizarrement. Ouais, bon, parce que je lag un peu aussi. Alors, premier truc, placer une torche de redstone. Waouh. Je pense que même plus abruti de tous les abrutis pourraient y faire. Après, tac, un bloc. Non, mince, je me suis trompé là. Oui, ici c'est le fameux bloc de terre. Après, je vais utiliser des blocs de fer, mais faut utiliser de la terre hein, pour mieux camoufler. Tac. La poudre en redstone. Après, oui, c'est ici. Oui, on va entourer cette poudre avec
deux blocs qu'on met comme ça, donc ça fait un... La souris, elle est chelou son accélération. Donc voilà, tac, ça fait un peu la croix directionnelle. Ouais, c'est une croix directionnelle en gros. Un deuxième bloc ici. Oula, mais... What? C'est quoi cette accélération? Après... Une deuxième torche ici. Mince, qu'est-ce qu'il fout là-bas? Hop, deux poudres. C'est quoi cette accélération, bordel? Après, hop, une poudre. Un piston sticky ou pas, on sent... Voilà, je galère avec l'accélération qui est chelou, là. Ah, ok, j'étais un petit peu... Voilà. Après, vous placez un bloc ici, un bloc là. Un bloc là. Ah oui, si jamais vous n'avez pas de sticky piston, vous mettez un piston normal et du sable. Parce que ça marchera aussi bien. Après, il vous faut... Oula, j'ai fait un de ces tours. Vous mettez un repeater à 2 ticks et un repeater à 1 tick. Alors, ici, il faut absolument un sticky piston. Là. Et voilà, un bloc de redstone ici. Après, on va s'occuper du reset. Donc, je vais me mettre sur le bloc. Voilà, j'ai pas galéré. On se met accroupi et on met le bloc à partir du repeater. Voilà. Et après, on met un bloc quelconque, mais ce serait mieux que ce soit de la... Comment ça s'appelle? De la terre. C'est qu'il y a un problème, non? Hop, après, on va gérer la récupération du signal. Alors, quand ça va swap... Voilà, quand ça va swap, ça va alimenter cette poudre. Du coup, tac, tac, on monte. Ça, c'est pour que ça puisse activer le bloc. Là, comme ça, ça alimente ces deux blocs. Parce que ici, ça envoie de l'énergie ici, et puis ça bug un peu. Enfin, j'ai pas trop bien compris ça. Alors, hop, vous placez... Oula. Oula. Le piston, où ce que vous voulez. Des blocs. Et là, normalement... Waouh. Et voilà, le système est prêt. C'est vraiment un système que je l'ai pas inventé. Il y a des dizaines de modèles sur Internet. Oui. J'ai juste utilisé le principe de base. C'est-à-dire le... j'ai juste utilisé ça et je... Véridique. Je n'ai pas cherché sur Internet si ce modèle existait déjà. S'il existe déjà, j'ai pas vu. J'ai vraiment passé... Véridique, demander à... Qui c'est qui était avec moi? C'était peut-être Lender. Je me souviens plus qui c'était qui était avec moi. Mais je l'ai fait moi-même, j'ai passé plus d'une heure à le compacter. Et j'en suis vraiment fier de ce système, sérieusement. Même j'avais trouvé une astuce sur PS Vita. Parce que voilà, on pouvait passer ici, faire un pulse limiter, et c'est bizarre parce que ça activait les deux, enfin. Et là, j'arrive plus à y refaire. Peut-être parce que j'ai fait avec une version trop ancienne. Alors voilà, c'est 1.7 point. Voilà, je me replace sur mon siège. 1.7.10. Et ce système est cool. Voilà, petit tuto. Je vous ai fait un tuto et pas la suite du let's play. Parce que j'ai plus ma clé USB et tout ça. Et j'ai été un peu pris à la bourre. Parce que vous regardez cet épisode le mardi. Et là, on est le lundi, en fait. Du coup, je vais devoir le monter. Bon, il n'y aura pas énormément de montage, hein. Mais... Voilà, et du coup j'ai fait vite ça, je voulais le faire, donc parfait, et il y aura plein d'autres systèmes, donc ça c'est le même, pour vous teaser un peu, il y a... Oula. Il y a le fameux... Hop là, parfait, que j'ai ultra compacté je trouve, mais ça sera un prochain tuto. Et, envole-toi, oula. Voilà. Et ça qui est quelque chose de très très gros que je suis en train de faire. C'est un four. Hein. Un four. Sinon, pour vous teaser, est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, ça c'est rien. Non, voilà. Donc, c'est la fin de ce tuto. J'espère que... j'ai pas de skin. Oui, parce que Minecraft s'est désinstallé. Du coup, je l'ai réinstallé. Et puis, j'avais pas envie de... Enfin, la flemme de remettre le skin, quoi. Enfin, bon, bref. Donc, j'espère que... Oui, bon. Ce tuto vous aura plu.
N'hésitez pas à me dire s'il y a des systèmes, enfin pas des systèmes, des mécaniques de systèmes comme la torche, le bloc de terre, la houe, tout ça, que je puisse en faire un système moi-même. Attendez, mon écran est tout seul. Donc, pensez au pouce vert, partagez. Pouce vert, partagez, commentez. Les pouces rouges, si jamais il y en a, dites pourquoi. Parce que si c'est un pouce rouge juste parce que vous aimez pas, ça sert absolument à rien, j'en tiendrai pas compte. Et les commentaires rageux, non plus. Enfin, dire ouais, tu voles les systèmes des autres. Par exemple, ce système, il a déjà été fait pour. Comment il s'appelle? Labocraft, voilà, je me suis. Enfin, bon, voilà, je regardais beaucoup ça. Ils se sont ratés, enfin, je sais pas bien. Donc, voilà. Voilà. Un clic, deux coups. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à faire ça dans des, je sais pas, map avant, pas aventure, Fallen Kingdoms, des trucs comme ça. Ça coûte vraiment pas cher. Il faut juste une slime ball de sûr. Sinon, le reste, vous faites ce que vous voulez. Une slime ball pour le bloc de redstone. Donc, pouce vert, tout ça, et à la prochaine. Allez, ciao. Voilà. Enfin, désolé de j'ai rajouté cette petite séquence à la fin. C'est parce que je vous ai dit que je vous expliquerai le swap. Et je voulais pas expliquer. Je m'en excuse. Tac. Voilà. Alors, le swap, c'est ça. Ici, c'est un pulse limiter avec un repeater à 1. Donc, je vais vite fait expliquer. Quand je fais ça, l'impulsion ici est tellement rapide que le piston s'étend et se retire tellement vite que le bloc n'a pas le temps de comprendre en fait. Limite, le piston se rétracte quand il est à la moitié. Tellement il va vite, il se rétracte à la moitié. Du coup, le bloc, il est censé passer de ici à ici, sauf que le truc est qu'à la moitié. Du coup, il va quand même passer ici, sauf que comme il est à la moitié, techniquement, hein, je simplifie, il va pas pouvoir le retirer. Et du coup, et après, il va s'étendre, sauf que là, le bloc va piger qu'il est normalement censé le choper, et hop, il va le ramener. Donc voilà, c'est à peu près mon explication que j'ai. Donc, désolé pour avoir rajouté cette petite séquence, et...